Hop, ça s'est réactivé. Et ça c'est bon. Bonsoir à tous. Ce stream calendrier avant Lego du 12e jour, on en est à la moitié. J'ai pas rangé. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Hop. Voilà, j'ai pas rangé les pièces en rabière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui jour 12, on est à la moitié de ces calendriers. On va ouvrir. Bah après avoir ouvert là, on sera vraiment à la moitié. Donc j'espère que vous allez bien. Un peu plus tard aujourd'hui, alors à la base c'était parce que j'avais prévu de sortir aujourd'hui, parce que c'est dimanche, prévu de se faire un petit ciné, et au final pas en grande forme, mais comme j'avais annoncé hier qu'on faisait ça plus tard, aujourd'hui on a fait ça plus tard. Alors, toc, pour ceux qui regardent les rediffs, de toute façon ça changera rien, parce que les rediffs, elles sont là comme d'habitude. On commence par le City jour 12, on est là. Alors oui, un petit pari quand même. Chez Harry Potter, c'est le wagonnet de Gripsack, ça c'est sûr. Chez Marvel, qu'est-ce que ça peut bien être chez Marvel? Le sapin, je pense qu'il va arriver tard. Hein. Le sapin, je vais bien arriver à la fin. Est-ce qu'ils vont nous mettre le sapin et les gemmes de l'infini à part? Je sais pas. Ah tiens, il y a Mini Queen Jet, j'aurais bien le Mini Queen Jet aujourd'hui. Allez hop. Voilà, donc ça c'est chez Marvel. Chez Star Wars, on va dire une nouvelle figurine. Ouais. Je verrais bien une nouvelle figurine. Il en reste encore au moins 3-4. À mon avis, au bout de 2 jours, on en a eu que 2. Ce serait bien qu'à la moitié, là, on en a encore une. Et chez City, on a eu tout ce qu'on voit. Ah non, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu la caserne des pompiers. Pareil, chez City, on a eu que 2 figurines. Donc chez City, on va dire une figurine aussi. Je sens le double fig aujourd'hui. Parce qu'il y a double fig, c'était ça. C'est Star Wars. On a une figurine dans quoi hier? Marvel et Harry Potter. Donc on va dire figurine chez Star Wars, figurine chez City, le wagonnet chez Gripsack, et puis le mini Queen Jet chez Marvel. Voilà. Alors. Est-ce que ça compte? Techniquement, il y a 6 minifigs dans ce calendrier qui sont marqués au-dessus. Est-ce qu'on considère que le bonhomme de neige est une minifigure? Pas vraiment. On va pas le compter. On va le compter à moitié, on va dire. C'est une demi-réussite, cette prédiction. Hop. Alors, ça, ensuite... c'est quoi? Ok, c'est ces pièces-là. Un build qui va être compliqué à faire une seule main, je le sens. Allez, rentre dedans. Voilà. Donc, de quoi mettre les bras. Ensuite, un petit stud ici pour pouvoir... Il est hyper... hyper instable. Ça va être très compliqué. Le stud, c'était après, peut-être. Ok. Attendez. J'abandonne-le une main. On va être obligé de passer à deux mains pour celui-ci. Est-ce que ça marche comme ça? Ouais, ça marche. Ok. On profite, on va se mettre les bras tout de suite. Je sais jamais s'il y a un sens pour les bras, s'il y a un côté un peu plus court que l'autre ou pas. J'ai pas vraiment l'impression. Je veux bien ce stud d'ailleurs. Hop, hop. Bon, le bonhomme de neige avec des bras de robot, c'est un peu étrange. Mais pourquoi pas. Par rapport... On en avait un bonhomme de neige sorcier dans le premier Harry Potter. Et je crois pas qu'on en ait d'autres de prévus des bonhommes de neige sur les calendriers Lego cette année. Voilà pour le build du jour chez Lego City, le bonhomme de neige. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Parce que là, ça devient compliqué. En termes de place. Attendez, on va essayer de faire la petite mise en scène. Ce qui est simple, c'est les véhicules. Ça, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ont leurs habitudes. Il y en a qui ont trouvé une nouvelle place. Voilà. Ça, on va mettre de côté, parce que c'est du décor réel. Enfin, un peu plus taille réelle.
L'ambulance, elle est là. On va se mettre la voiture de police par là. Ou par là-bas, tiens. Hop. Le monster truck. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Donc autant. Bah, nos patineurs, nos hockeyeurs là, ils sont obligés d'être là. Ça, je vois pas trop comment faire autrement, hein, parce qu'ils sont en train de jouer au hockey. Donc voilà. Mais du coup, parce que là on a mis le sapin là-bas. Et cette décolle est ici. Mais du coup, je serais plus tenté de mettre le bonhomme de neige ici. À la rigueur, le sapin, où est-ce qu'on pourrait le mettre d'autre? On peut peut-être le ramener par là. Et la pancarte là-bas au fond. On va partir là-dessus. Comme ça, ça fait quelques changements. On bouleverse un petit peu les habitudes, c'est pas plus mal. Le truc, c'est qu'avec les routes, au final, et les rails de train, ça mange une grosse partie. Et... Ah, alors, sinon, le sapin, on peut le mettre là. Près de l'hôpital, pourquoi pas. Ça marche aussi. Voilà, en tout cas, pour le Lego City. On passe ensuite à Star Wars. Alors, autant je prédis, et j'aimerais bien avoir une minifigurine, parce que chez Star Wars, quand même... chez City, cela dit, on en a eu deux. Alors, on va pas compter le bonhomme de neige. Salut Wispy, désolé du retard. Eh bah pas de soucis, j'ai commencé l'heure plus tard que d'habitude. Donc le retard c'est plutôt moi aujourd'hui. Hop. On vient juste d'ouvrir le, je sais pas si t'as vu, le City, on a eu, où est-ce qu'il est? Bah il est là, je suis bête. On a eu un petit bonhomme de neige. Voilà. Et donc niveau Paris, on avait dit minifig chez City, ça compte à moitié. Minifig chez Star Wars, wagonnet de Gringotts chez Harry Potter, et on a parié un mini Quinjet chez Marvel. Voilà. Donc on a eu que 2 figurines en 12 jours chez City sur les 6, ça veut dire que ça va charger plus sur la deuxième partie. Chez Star Wars, on a combien de figurines? Il l'annonce pas spécialement sur la boîte. Là, il nous en montre quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 si on compte Bébé Yoda. Et pareil, pour l'instant, on n'en a eu que 2. Donc on va parier sur une mini figurine aujourd'hui. Le 12, on est là. Dézoomer un peu. Hop. Perdu. Donc c'est pareil, ça veut dire qu'on va être plus chargé en minifigurine sur la deuxième moitié que sur la première. Après, je sens le bébé Yoda. Alors soit peut-être qu'il sera avec en même temps que... Qu'il sera en même temps que Mando. C'est possible. Et c'est possible qu'il nous mette Mando et bébé Yoda genre en 24 décembre. Ça fait un truc un peu... Parce qu'il faut pas oublier aussi que il faut marquer le coup sur le dernier. Donc, chez Marvel, je verrais bien le sapin. Chez City, je verrais bien le Père Noël. Chez Star Wars, du coup, je verrais bien Mando et Baby Yoda. Ou en tout cas, si c'est pas les deux, Baby Yoda. Et chez Harry Potter, le 24, je sais plus ce que c'est... Alors, je sais même pas s'il est affiché dessus. Bah, le 24, la toupie, à mon avis. Voilà. Comme ça, on verra à terme si j'ai eu raison ou pas, mais je le sens bien comme ça. Dans quel sens met ça? Ok. J'ai fait n'importe quoi. Hop. Donc aujourd'hui, un petit TIE Fighter. Avec ses grandes ailes iconiques très faciles à reconnaître. Facile à construire, hein. Là j'avoue que c'est un des, en termes de vaisseau, c'est un qui du coup utilise moins de pièces, mais bah c'est un TIE Fighter quoi. Il va faire tout noir. Oula, alors le il va faire tout noir, on avait dit normalement je devais construire dans le noir sans voir ce que c'est, sauf que c'était un peu compliqué. Donc ce qu'on avait dit, je le fais si tu veux pour le Marvel juste après. L'idée c'était du coup que moi je ne vois pas. Alors déjà on peut éteindre un peu la lumière, ça c'est pas un problème, regarde. On va se couper ça. Hop. Alors là tout de suite effectivement il fait un peu plus noir. On va baisser un peu ça. Du coup là on voit vraiment les lumières couleur Noël. Bah oui du coup c'est du plafond, c'est bon. Et ensuite le but. C'est du coup que je construise, mais sans regarder ce que je fais. Donc uniquement avec le retour vidéo, ce qui va être, à mon avis, assez hasardeux, parce qu'il y a un décalage. Ouais, voilà. Ouais.
il y a un certain décalage et du coup ça complique pas mal les choses. Donc c'est comme si je ne regardais pas. Alors techniquement j'ai parti sur un délire de mettre un. De mettre une bâche de cou. Enfin une bâche, un truc comme ça, mais trop galère. Bon, on va quand même se finir le petit setup du Star Wars avant d'attaquer ça. Donc sur Star Wars, on va garder les vaisseaux par ici, et comme on avait dit, la petite guerre de lance tenon par là. Hop, le petit décor. Voilà. De quoi. À la rigueur, on peut même le mettre genre planqué derrière son, son bout de décor là. C'est pas idiot comme, comme mise en scène. Bon, je remets les lampes quand même, le temps de faire ça. Alors la caméra, elle a pas aimé. Voilà. Et on se coupera ça après. Et du coup, alors si on voulait faire un côté gentil, méchant. Et ben les chasseurs de primes, on les met en neutre. Ça, c'est de l'impérial, donc c'est du méchant. X-Wing, c'est forcément côté gentil. Le speeder, on va dire que c'est relativement neutre. Et Mando, on va plutôt le mettre côté gentil. On commence à faire un beau garage de vaisseau. Et là, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. On a notre demi-calendrier Lego, Lego Star Wars. Donc sur les 12 premiers jours, on a quand même 6 vaisseaux. Donc un build sur deux, c'est un micro-vaisseau. Et seulement 2 figurines. Après, quand je regarde là ce qu'il nous reste, on sait qu'il me reste un Slave One. On sait qu'il reste... Il n'y aura plus de place, ça continue. Bah celui-là, honnêtement, les vaisseaux prennent de la place, ouais. Il reste le petit droïde de transport là avec les boules de neige. Enfin, les boules de neige sont en 3D, hein, donc à voir. Hop, on va se décaler tout ça, on va se garder. Qu'est-ce qu'on va construire aujourd'hui? J'ai un trou. Ça y est. Ça. Et quand je regarde ce qu'il y a d'autre sur la boîte qu'on n'a pas encore eu. On n'a pas encore eu le petit espèce de petit droïde qui est là. Il reste un croiseur impérial. Le petit. Ah ouais, ou alors ça. Bébé Yoda plus son espèce de landau là. En 24. Ça, ce serait possible. Il y a ce droïde là qu'on n'a pas eu. Cette figurine là. Donc ouais, il reste. Il reste encore 2-3 trucs. Ok, alors, on est parti pour Marvel. Alors là, dans l'absolu, je pourrais tricher, mais c'est pas marrant, donc il va falloir me faire confiance sur le fait que je ne... Et pas Bébé Yoda et son espèce de Mando. C'est mignon, dit comme ça. Alors, on va juste se laisser la lampe là dans le coin, histoire que vous voyez un peu ce qu'on fait. Non, reste Wispy, allez, je te l'accorde, mais mes limites. Ok, donc je n'ai pas le droit de regarder, je ne regarde que l'écran là-bas. Donc le 12, déjà, il est où? Il était par là. C'est ça, ouais, c'est ça. Je regarde par rapport aux autres, c'était cette case-là, hein, le 12. Parce que le problème, c'est que sur le retour, c'est pas bien gros. Ouais, c'est ça. Et celle à côté du 13 directement. Ok, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ça va être galère. Ça va être galère parce que je vais pas arriver à lire. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est du micro-build. Attendez. On va... Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir. Ah, alors... J'étais pas loin, c'est pas le mini Queen Jet, je crois que c'est un mini héliporteur. Hop. Et j'ai le réflexe de vouloir regarder, c'est... je suis obligé de me concentrer pour dire non, tu regardes pas tes pièces, tu regardes que ton écran. Alors, ok. Alors, oui, un mini héliporteur à construire. Est-ce que j'ai le droit quand même de regarder la notice en réel? Parce que là, sinon, honnêtement, ça va être chaud. On va essayer... Eh, c'est horrible. On va essayer de trier un peu les pièces. Parce que du coup, mon cerveau, ça le fait bugger complet. Je galère de ouf. En vrai, bon d'accord, juste un notice. Alors, je la regarde un coup, histoire de voir comment ça se construit. Et puis, alors ça, c'est en train de tomber, du coup. Alors. Waouh, ça va être galère.
Voilà. J'ai à peu près mémorisé. Je rattraperai peut-être un petit coup d'œil après. Non, j'ai déjà oublié. Ok, si, c'est bon. Il y en a qu'un? Ah non, ok, j'ai. Bah attends, je comprends pas. Ok, c'est moi qui suis débile en fait. C'est parce que je les ai collés, du coup, je crois que c'est une double, mais non, c'est deux simples. Ok, c'est parti. Alors, il me faut la pièce incurvée là. C'est pas. Ah, j'ai pas le droit de regarder. Attends, on met tout par là-bas. Ah ouais, non, honnêtement, il est. Bah, en fait, il est pas si tendu que ça, mais le fait de le voir regarder, de pas pouvoir regarder. C'est quoi ça là-bas? Non. Donc ça va sur le dessus. Alors, rigueur, on peut commencer. De mémoire. Eh, c'est dur de construire sans regarder, hein. De mémoire, ça part sur un truc comme ça. Donc là, on a un petit bouclier Nexo. Hop. On va même le mettre en double tout de suite. Ok. De toute façon, vous le voyez dans le retour que je suis concentré pour regarder droit devant et je regarde pas trop derrière. J'espère juste que je ne suis pas planté de longueur. Ok. Et ça va derrière. Ça, c'est bon. Ensuite. J'ai l'impression d'être une machine. Vous savez, les machines à grappin là avec les. Où il y a les. Pour choper des peluches. J'ai la main hésitante comme ça tout le long. Le grappin. Oh, je montrerai un jour. Ma copine, on en a fait une machine à grappin comme ça avec les petits aliens de Toy Story. Alors, j'ai quand même juste regardé la notice une fois à nouveau. Parce que j'ai un doute. Si je me suis pas planté, si je me suis planté un truc. Ok. Alors. Là où je me suis planté, au fait, c'est que. J'ai trop reculé d'un cran. Voilà. Donc, ça, on le remet en place. Ok. Avec la musique hyper festive, alors que je suis en train de me galérer de ouf, c'est génial. Voilà, donc ça c'est la base de l'héliporteur. Ensuite, on va avoir ces clips-là avec ces trucs-là qui nous font les réacteurs sur le côté, les hélices de propulsion. Si j'arrive à le mettre. En fait, limite, c'est le moment où je ne regarde pas l'écran parce que c'est plus facile, genre, d'y aller au toucher, au ressenti. Ça me perturbe plus que de choses de regarder. Je me demande si c'est même pas plus facile de construire à l'aveugle que de construire au. Avec la caméra. Oh, les deux. Allez, rentre dedans. On y est. Oui, ça y est, ça a cliqué. Encore trois comme ça. Alors, ça. Ouais, on va construire ça d'abord. On regardera après comment ça se construit. Ok. Tu utilises pas les deux mains? Bah non, je reste sur ce que je fais d'habitude, à savoir. Je fais en sorte que ça reste visible à l'écran. Si je fais avec les deux mains, ça va être illisible. Donc en plus, j'ai cette difficulté-là. Bon, normalement, ce timer, là, on va le faire à la construction, hein. Ça vaudra juste pour. Ça vaudra juste pour le Marvel, hein. Bon, en tout cas, un mini-héliporteur, c'est chouette. Mais ça va, là, je commence à. Je commence à m'y faire un peu. Alors, elle est où là? Ça, et il est là-bas. En fait, le truc, c'est que je jette un coup d'œil pour voir où sont les pièces, et après, je ne regarde plus l'écran et j'y vais à la main pour voir. Non, j'ai pas le droit de regarder, arrête. Pour voir où c'est placé. Et là, ça clique. Ça clique. Ah, ça a dû cliquer. Ça a cliqué silencieusement. Donc, ça, c'est notre base. Ouais, mais c'était juste un coup d'œil, j'ai rien construit pendant que je regardais. Ensuite, alors, ça va devant. Je savais pas où il était, voilà. Yes, donc, bah, je vais faire ça marche aussi. Plutôt que de trop me galérer.
C'est compliqué, hein. C'est vraiment lutter contre, contre ses réflexes au fait. Et alors du coup, normalement, j'ai deux trucs comme ça. Et alors, attendez, on va remater un peu la notice pour voir. Donc, elles sont C vers l'arrière. Ok. Donc, là, j'ai ça. On a une vitre dans ce sens-là. La même pièce, mais en gris dans l'autre. Bien là. Ok. Et ça, on le met tout derrière. J'ai voulu regarder la jeu sur tenue, ça va. Et ensuite, la petite grille, elle est là. Elle vient là. Et non, ça c'est de la pièce en rab, il faut juste ça, nickel, qui est dans le même sens que l'autre. Et normalement, si je me suis pas planté, je vais vérifier. On a l'air d'être bon. On est bon. Le voilà fini. Alors on va se rallumer les lumières. Ouais, c'est bon. Notre petit, du coup, c'est chaud à faire. Hein. Notre petit héliporteur des Avengers. C'est vrai que ça marche pas mal. Hein. C'est l'avant très pointu comme ça qui me combat un peu moins. Je ne peux pas souvenir qu'il était si pointu à l'avant. Mais bon, après, il faut voir avec les pièces qu'ils ont pour faire les vaisseaux de cette taille-là aussi. Hein. Voilà, bon, ça c'est cool. Après, un héliporteur chez... chez Marvel et un TIE Fighter chez Star Wars, ça reste pas mal hein, en termes de construction. Alors oui, je crois que c'est ça version Noël. Oui, c'est un peu chelou effectivement. Bon, du coup, on n'aura pas été très bon sur les pronostics aujourd'hui. Non, j'ai pas fait le oula. J'ai oublié la petite mise en scène. Hein. Alors, par contre, comment on va intégrer le microscale là-dedans? C'est une bonne question. Donc, ça part là-bas avec les cadeaux, ça bouge pas. Ça reste... Ça, j'aime bien comment c'est mis, c'est pas gênant. Là, on peut même mettre les cadeaux sur le côté, genre ils ont déjà été emballés. On avait le barbecue et on va laisser Black Widow qui, en plus de faire à manger, se fait griller des chamallows sur le barbecue. Sur ses bâtons de combat, pourquoi pas. Hop. Tu as switché de playlist et je fais gaffe parce que droit d'auteur, tout ça, des fois, je peux peut-être se faire strike. Ensuite, on peut avoir Thanos qui va pour manger un burger parce que, après tout, Noël, c'est la saison du partage, c'est la saison du pardon, c'est la saison où tout le monde s'aime. Et du coup, on va éviter de considérer Thanos comme un méchant. On va se dire, allez, on le pardonne. De toute façon, ils ont réussi à contrecarrer ses plans, donc ils peuvent le pardonner. Le petit Stark qui va toujours être en mode vol pour l'instant. Il manque le chou rose de... On a perdu le chou rose de Spider-Man. Eh ben tant pis. Spider-Man n'aura pas de chou rose ici. Et du coup, il va être au repas avec Thanos. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tout en train de se mélanger, là. Je sais pas où il est parti, le chou rose. On l'a perdu. C'est pas grave, il va revenir un jour. Le petit drone part là-bas. Pour l'instant, on va juste poser l'héliporteur. On peut laisser genre en vol sur le côté au-dessus du vide. Avec un effet de perspective, on dit qu'il est très bas, il est en train de monter. Ça passe. Si, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me manque un truc. Ah oui, il me manque la déco. Non, ça je l'ai. Qu'est-ce qui me manque? Bah non. 2. 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon, on a le tout. À la rigueur, on pourrait mettre Tony en poursuite du drone qui essaie de se barrer, mais bon, faut tout tenir en vol, c'est chaud. Voilà pour le Marvel. Excepté le chou rose de Spider-Man, mais bon, bref, il devrait s'en remettre, ça va. Ah bah tiens, on la revoit à nouveau, ce n'est qu'à nous revoir. Elle est aussi au début de cette playlist-là.
Et nous reste le Harry Potter. Alors, bon, pas de surprise aujourd'hui, hein. Enfin, sur le Harry Potter, globalement, peu de surprise, puisque on a entre la boîte, enfin, les images de la boîte et le plateau, on sait où on va. Après, le fait qu'il... Enfin, il y a moins l'effet de surprise, mais ça me gêne pas. Et ouais, c'est bien ça. C'est le petit wagonnet. Ça me gêne pas parce que... parce que d'un truc, on est dans un délire de construire l'histoire au fur et à mesure d'Harry Potter, l'école des sorciers. C'est logique, en fait. Enfin, de base, même sans les images et tout, on aurait su vers quoi on se dirigeait, en fait. Et par exemple, sur les trucs un peu moyens, genre la table du chaudron baveur, ça aurait peut-être été un peu plus décevant si elle était en mode surprise. Alors que là, bon, quand on devine à peu près ce que c'est, le wagonnet, c'est un peu moins gênant. Alors, j'ai pas zoomé, alors enfin. Tac. Ok, ensuite. Oh, celui-là, à l'aveugle, ça aurait été chaud aussi. Hein, je suis en train de me dire. Allez. Donc, ça, c'est la petite lanterne, je pense, à l'avant. Ou à l'arrière, peut-être. On a la grande plaque. Alors, ouais, mais j'ai oublié un truc. Oui, il faut que je mette ça avant. Hop. Donc, ça. Ça aussi. On a les deux petits studs là aussi en mode lampe. Alors du coup j'ai des doutes sur dans quel sens. Bah ouais, si c'est ça. C'est bien l'avant qui est par là avec la petite lanterne. J'ai souvenir d'une espèce de lanterne en couleur un peu cuivre à l'avant. Alors là une deuxième grille qui aurait pu être bien là, mais qui nous faut mettre nulle part a priori. Ok. Et par contre... Ah, ok. Ouais, je vois. Comme c'est pour des mini-figurines taille enfant, on peut pas les asseoir. Enfin, taille enfant. Avec les jambes, enfin, avec les petites jambes. Donc, on a un stud comme ça pour les mettre debout dessus. Et voilà le petit wagonnet. Du coup, on se retrace l'histoire qu'on a jusque-là. Hop. La cheminée avec le courrier qui tombe partout. Le fameux gâteau. J'adore vraiment le gâteau d'anniversaire. Je trouve trop chouette. Le petit Dudley à queue de cochon. Le chaudron baveur version peu d'éléments. Notre petit mur d'accès au chemin de traverse. Le petit guichet où était Gripsek. Gripsek il est parti avec Harry en wagonnet direction les coffres-forts. Et donc du coup, 13-14, en sachant que on a une image ici, les portes du coffre, à mon avis, sachant que c'est en deux fois, alors est-ce que c'est la porte et puis genre un tas d'or derrière, je sais pas trop. En tout cas, demain on attaque le coffre, c'est clair et net. Voilà. On a perdu un peu. Oh là là, tout se casse la figure. Voilà pour le Harry Potter. Hop, on va se laisser ça de côté. Se rembarquer tout ça. Et se faire le petit récap de tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, en City, on a eu un petit bonhomme de neige limite robotique. Voilà. Chez Star Wars, un petit micro TIE Fighter. Chez Marvel, c'est un micro héliporteur. C'est quoi ça? Eh, il est taille quand même pour du micro. Ouais, il fait vraiment très... Bah, c'est les bras, en fait. Il y a une espèce de drone robot... de drone bonhomme de neige. Et chez Harry Potter, le petit wagonnet de chez Kevin Guts. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est une figurine? J'hésite. Ils en montent 6 sur la boîte. Avec ça, ça ferait 7. Ça me paraît beaucoup quand même pour un calendrier.
Mais d'un autre côté, il y a une tête de minifig avec une écharpe de minifig et des cheveux de minifig. Ça fait beaucoup d'éléments de minifig quand même. Hein. Donc, on va dire qu'on est à 1,5 de réussite aujourd'hui. On n'était pas loin, l'héliporteur plutôt que le Quinjet, on n'était pas loin. Attendez, et en plus, je viens de me rendre compte d'un truc. Non, alors déjà, c'est pas la bonne caméra. Vu comment il est construit, l'héliporteur, on peut se faire un kiff. Et le mettre en mode voiture. Si c'est pas classe. Ah, et du coup, le stud qui est là, c'est peut-être pour pouvoir mettre le Quinjet dessus, justement, je suis en train de me dire. Et là, ça n'a plus aucun sens. Là, c'est. Là, ça veut dire que qu'il est temps de couper, en général, quand je commence à partir en voyage comme ça. Hop, voilà pour le stream calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Demain, 19h, bah, calendrier de l'Avent, comme tous les jours. Et après ça, on attaquera le pop-up book. À l'approche de Noël, un gros livre de comptes. Je me suis dit que c'était. C'est thématique, et ça nous prendra la séance de demain et la séance de jeudi aussi après les calendriers. Et sinon, bah, comme toujours, calendrier à 19h. Cette semaine, normalement, ça pose pas de soucis. Demain, non. Mardi, mercredi, c'est bon. Jeudi, c'est bon. Vendredi, ouais, je pense que c'est dans le thème, ouais. Vendredi, j'ai la soirée Spider-Man, mais normalement, c'est assez tard pour que je puisse streamer normalement à 19h. Ouais, c'est 20h45, donc ouais, c'est bon. Et samedi, on sera peut-être un peu plus tôt. Samedi, on sera peut-être un 18 au lieu de 19, on reverra ça. Parce que j'ai une animation dans un café Harry Potter à assurer. Voilà. Et dimanche, bah, dimanche on verra. On a le temps, c'est dans une semaine. En tout cas, on a déjà fait la moitié. On n'a pas raté une seule journée. Je suis très content, honnêtement, parce que j'avais très peur d'avoir des trucs qui m'en empêchent. Et pour l'instant, on peut tout faire tous les jours, en décalant l'heure de temps en temps, mais c'est chouette. Et puis, il reste que 12 jours. Ça veut dire que 12 jours avant le réveillon. Donc voilà. Et ben, je vous remercie de m'avoir accompagné. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne soirée, un bon dimanche soir. Et je vous dis à demain pour le stream calendrier de l'Avent, plus le stream montage habituel. C'était des notes, bye bye.